cette sortie, on peut tirer un bilan très positif. Vous avez vu que nous avons fait des visites dans la province du Passoré. Nous avons vu la production de riz à Ouagessé. C'était une très bonne production qui avait été encadrée par le PRP. Et les populations s'attendent à de très bonnes récoltes, un très bon résultat. Nous avons aussi visité dans la province du Zandouma un producteur sémencier qui fait du sorgho sur 4 hectares. C'était très prometteur. Et ce matin, dans cette commune de Namiskouma, nous avons visité un producteur sémencier aussi qui fait 6 hectares de mil et sorgho. Et là aussi, nous avons vu la satisfaction de ces producteurs. Actuellement, nous sommes sur le site de Basse-Néré qui fait une production de riz sur 20 hectares. Et nous sommes venus trouver que la récolte a commencé et la saison est très bonne. Et sur ce site, on attend un bénéfice brut de plus de 10 millions de francs CFA. Les autorités de la région sont témoins puisque nous avons tourné avec le gouverneur de la région et avec les hauts commissaires. C'est aussi dit de la bouche des producteurs eux-mêmes qu'il y a une différence avec les années précédentes. En tout cas, je pense que c'est vraiment très satisfaisant pour tout le monde. Il faut se dire que les nouvelles technologies que nous diffusons au niveau des producteurs permettent quand même d'améliorer la productivité, les rendements. Nous faisons déjà un effort. L'année passée, le gouvernement a mis à la disposition des producteurs 500 tracteurs et des motoculteurs. Nous sommes aujourd'hui en train de définir de nouvelles politiques pour prendre en compte l'accompagnement de la République populaire de Chine qui... qui est un nouveau partenaire avec lequel s'intéresseront beaucoup plus à l'agriculture et nous pensons pouvoir évoluer très positivement.